Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Dès qu'on a délocalisé le port de Douala, la direction et à Yaoundé, les problèmes ont commencé. Parce que au port de Douala, les barbecues, tout ce qui sont commerçants, les voitures et tout, hein? Ça a commencé. J'ai bien dit que, ça n'a même pas duré. Pourquoi? Parce que le faux usage du faux, on les connaît. Dès qu'on a décolonisé, ou c'est décolonisé, enfin, bref, à Yaoundé, que c'est la direction, c'est à Yaoundé, le port de Douala, c'est que nous avons commencé. Jusqu'aujourd'hui. Moi, je ne savais pas qu'il y avait le tribalisme entre nous. C'est ici, à Facebook, que j'ai vu qu'il y avait le tribalisme, il y a des gens, les groupes qui se sont créés et tout. Donc, Marine Boutou, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, je te parle. Si tu continues, je m'en fous. Si tu veux, je m'en fous. Parce que moi, je te gêne même pas parce que tu es une pourriture. Tu attends. Même si j'entends via salut Guylaine Chapuis, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Quand toi-même, tu partais là-bas, mais pour moi, t'as pas fumé, c'est un problème. Parce que tu rêvais d'être aussi là-bas et tout dit. Parce que tu tiens tes discours. Mon père, mon grand-père avait appelé Paul Biya que ne fais pas ce choix-là. Donc tu disais que c'est toi qu'on choisisse. Toi si. Si c'est toi, hein. C'est que. Hein? La dictature. Tu attends, non. Attends. Tu as quand même connu, bon. Disons que bon. J'accepte que ton. Comment on appelle. Je vais mon doseur, c'est ton père. Tu as connu les beaux hommes, tu as même épousé, je ne sais pas quoi, les fils du président, ça. Pourquoi alors t'es arrêté? Pour vol. Toi, tu aimes parler les choses, tu parles pour dénigrer, comme tu parles doucement là. Tu sais, Marlène, un tel, tu attends, parce que ce que tu es en train de faire là, ça va servir. Tu penses que les gens, on va mettre pour bien la vendue populaire? Qu'on va l'insulter, qu'on va lui mettre au tribunal, il va en prison, non? Pour lui, là, pour le moment, il fait son temps. Et puis, il va partir avec sa jolie femme. Elle va faire comment? Le Père Dieu, de marche en tout. Ne peut plus aller danser. Ne peut plus rien faire. Hein? Elle donne, comment on appelle ça? Elle va donner quoi? Le champoni à un enfant. Vous avez que c'est l'alcool qu'elle donne à l'enfant. Qu'est-ce qui se passe, mais? Mais il est scellé. Hein? Tout le monde sort maintenant. Et les gens qu'on a jamais. J'ai dit que hein, le gars métis là, et quand là, je sais pas comment on bouge. Toi qui sors là, waouh, pour défendre ma lettre. Quand on sortait le couteau de ma tête ici là, j'étais là. Je combattais ici avec ma tenue de RDPC ici. Je ne vous ai pas vu, hein? On est sort, Malène. On va l'éteindre bientôt. Après ça, il va avoir quoi? Elle va encore parler de quoi? Quel change pour le bouche là? Tant qu'elle va parler du couple présidentiel, oui, vous serez là. Aujourd'hui, j'entends les barniquets, oh, tous les barniquets, et Malène. Malène a bien parlé. Ah ouais? Parlez aussi de votre Niak. Niak, là, le président du Sénat. Il est aussi pour laisser aussi, non? Ils sont mariés, ils sont mariés pour bien. Pourquoi Niak, le président du tribunal, le barniquet, vous ne parlez pas de lui? C'est quoi votre problème? En tout cas, machin, je suis avec toi. Et puis, il y a un autre oiseau, là, de mauvaise augure, qu'on appelle Coco Lago. Tu sais aussi? Coco Lago te dit que quoi? Qu'elle ne devait pas se comporter comme ça. Vous voulez qu'elle se comporte comment? C'est encore une femme qui est encore un peu le. Hein? Elle a encore un peu le truc. Si le vieux père déjà vieux, elle va faire comment? Elle va dormir seule. Vous aussi. Vous n'avez pas sa joie de vivre. C'est elle l'échec de votre vie. Malène Boutou. Parlons de toi. Oh, j'ai été à l'ENA. Tu vas vérifier. Zéro GP. Oh, j'ai eu mon bac. Mais je veux savoir d'abord ton lycée. Parce que moi, je sais où j'ai été au lycée. J'ai des camarades qui me regardent. J'ai dit que je connais. Mais dis-nous pas qui étaient tes camarades de classe. Hein? À tout à l'heure. Hein, Malène? Il faut aussi nous dire un peu. Je suis parlé de les grandes personnalités parce que tu étais. Pour venir à Facebook. Un dernier jour, au temps canapé. J'ai boyé, on dit. Tu vas voler les photos d'une femme où c'est hollandaise, ou ça. Tu l'es placé. Tu voulais quoi? Tu croyais qu'il n'y a pas. À Facebook, il y a FBI. On a tué, la honte a tué. Oh, parce que machin, c'est ceci. Marie Nemboutou. Tu me dis d'aller à Mantoum. Tu vas à la prison de Mantoum.
au Cameroun. On a une prison à Tiko là-bas, dans la mer. C'est comme Alcatraz. On va, une fois qu'on t'enferme là-bas, tu restes là-bas. Hmm? Mais alors, elle t'a beaucoup dehors. Ne m'en parlez là-bas, il y a des gens là-bas. Et les militaires qui gardent là et tout ça. Elle veut mourir aussi, non? Vous voulez quoi? Donc, ne doit pas rire, ne doit pas faire la joie. Hmm? C'est quoi votre problème? Vous croyez que l'année prochaine, vous inventez les histoires pour oh, la. Pour l'année prochaine, il va encore se présenter. Se présenter où? Quand vous voyez le tigre là, vous-même. Il faut être un peu courant dans vos conneries. Hein? Vous croyez que le tigre va encore se présenter? Avec quoi? Il doit se reposer en moment clair. Mais oui. Et votre candidat, c'est alors qui? Hmm? Oui. Donc, vous allez vous créer des histoires. Vous créez des histoires. Madame dit son comment, quand Madame dit comment elle parlait, elle est arrivée ici. Oh, 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 parce que Guylaine est chapu. Ouais, Guylaine est chapu aussi. Toi aussi, tu es pas. Pourquoi tu es venu mettre ta face? Oui. Je savais quand j'avais vu Jessie, je sais pas où ça va sortir. À cause, parce que Guylaine Chapu a salué la première dame. Hey! Ça sort de partout. C'est quoi ça? Je sais que c'est Emmanuel, tu fais partie des gens qu'on nous appelle. Il est quoi, Preston? Rentrer en France. Non. C'est toujours vous les boulots. Mais moi, j'aime le couple là. Moi, je ne vous en veux pas. Ok. Maman, comme on met un président dans ce pays là, il dit que la dictature que je vais faire là-bas. Hein? Ben non. Il faut voter pour moi. Pardon, je m'en vais là-bas. Votez-moi. Parce que ce que je vois là. Civilisation savoure dans ce pays-ci. Tu restes ici. On est sur la première dame. On est sur son mari. Maman. Pourquoi? Donc les gens comme les Guylaine Chapu aussi ne doivent pas les saluer. Qui l'a amené là-bas? Hein? Guylaine Chapu, c'est jamais maman. Oui. Quand vous voyez Guylaine Chapu, qu'elle va espérer avoir quoi là-bas étudier? Elle peut tenir la langue pendant une heure et faire d'une femme. Après, je ne vous comprends pas vos. Je ne sais pas. Parce que je suis fatigué. Je dis que. Hein, votez pour moi. Waros. Je vais diriger le pays ici. Je dis, il y a combien de candidats même dans les choses là? Je vais être candidat. Parce que je ne comprends pas. Votez pour moi. Je veux vous. Tiens. Parce qu'il y a des choses. Hein. Nyangono, ceux qui sont aussi. Nyangono, vraiment, hein. On a déjà pris toutes les pages. Oui, c'est quand même fait que tu as dit beaucoup de choses, mais maintenant tu sors pourquoi encore, Irène? Et là, tu fais la là, ta page, c'est les visites. Quand on va compter pas ta page là, mais c'est comme les bouts sont quand même les lâches, hein, bon, les bouts qui parlent dans les réseaux sociaux sont les lâches. Hein. Parce que quand les barricades sortaient ici, les couteaux les lâches. Ma Jona, comme Adjo pour bien ici là. Oh, bon, et les vacuums, et les gens ont cassé les. Maman, les bouts étaient où? J'étais ici là. Ou parce que moi, je ne pouvais pas sortir, si je sortais de moi demain. Donc, oh, parce que si je sortais, on allait me demander. Donc, du coup, moi, c'est ce que moi, j'ai supporté la maison. Moi, j'ai supporté quand même pas. Vous êtes chez où, les boules de fer, vous êtes chez où? Les nouvelles blogueurs qui sortent, que machin, tout ça, fait ceci. Franchement, c'est n'importe quoi. Il y a quoi? Donc, machin, on ne peut plus aller danser un peu. Elle ne peut plus, elle donne un petit champignon à un enfant. Oh, elle donne la couleur à l'enfant. Je dis que nommez-moi président dans ce pays. Votez pour moi. Parce que le pays, c'est. Je dis, il y a quand même de candidats dans ce pays-là. Parce qu'il faut que je me présente. Hein. Dondo, je vais vous faire ça. Je dis, il y a combien de candidats dans ce pays-là? Je dis, il y a combien de candidats? Je vais être président là-bas. Civilisation, ça vous ne marche ou pas? Comment? C'est une petite. Maman, c'est tout le monde qui sort dans son trou maintenant, le nouveau blogueur. Hein, ma chère, vous croyez vraiment que Papa ne va pas encore se présenter l'année prochaine? Vous aussi. Il y aura un candidat RDPC. Oui, mais est-ce que ça se fait pour bien? Non. Mais vous, le candidat, c'est qui? Ouais. C'est qui? Prenez-moi comme candidat. Prenez-moi. Hé! Hey! Ouais! Le pays, là, il faut une femme comme moi. Parce que moi, j'aime la dictature. Les gens vont souffrir. Pas la souffrance comme ce que vous souffrez là. Les gens qui parlent qui n'ont jamais payé les impôts libératoires au pays, qui n'ont jamais rien fait au pays, hein? Sinon, t'as la diaspora en même bas. Si. Je veux créer mon parti. Hein, mais voilà, je veux créer mon parti. Parce que là, moi, je vais être président au Cameroun.
Parce que je ne comprends plus. Hein? Mais allez aussi me présenter, non. On va faire les élections. Je vais les déposer sur l'ambassade. On va voter. Je peux gagner, hein, méfiez-vous. Ce n'est quoi ça, non? Qui alors votre candidat? Les Bezabaza, Amazon, Bezabaza. Qui? Bon, en dehors du RDPC au pays, le deuxième candidat pour vous, c'est qui? Alors, moi, je vais me présenter. Bon, vous allez voter que pour moi, parce que la qualité, c'est je ne comprends plus rien. Vous, quand vous voyez l'équipe là, il peut encore se présenter vous-même. Mais je me présente. Fabien, si tu n'es pas à moi, je vais me présenter. Hein. Oui, il faut voter pour moi, parce que oui. Mais bah, justement, c'est tout le monde qui sort. Hey! J'ai dit, le candidat, le deuxième candidat du pays là, c'est quel candidat? Je veux savoir. Parce qu'il n'y a que le RDPC qui est là. Moi, je vais me présenter. Oui. Moi, je suis le RDPC pour commencer. Donc, je ne vais pas me présenter contre mon parti. Mais bon, je vais me présenter. Mais c'est quoi ça? Tu as été, oui, tu as connu la belle vie, la fille de mon doseur qui n'est pas sa fille. Et tu as été, tu as fait ceci. On est où? Tout le monde dort dans les canapés, pendant les HLM. Aïe, aïe, tu n'as jamais été veuve. Est-ce que tu n'as même pas honte aujourd'hui, fille de français? Tu peux encore monter ta carte de séjour dans les réseaux sociaux malins. Mais tu es ridicule. Tu sais, tu vends. Tu es en train de vendre les boulots. Mais moi, je suis plus boulot. Moi, je suis madame Desprémont. Moi, je suis venue en mariage. Hein. Je suis veuve. Tu as dit, c'est la femme si. Il faut voir les petits gens là. Malène parle bien. Hé, hey, Malène, elle est forte. Ils ont dit, elle est forte. Malène, elle est forte. Hé, hey, Malène. Hé hey! Nommez-moi. Je dis que candidat. Je vais être candidat de ce pays-là. T'en ai marre. Qui alors vous allez présenter qui? Comme candidat. Parce qu'il n'y a que des personnes que je vois. Ouais, nommez-moi candidat. Je dis que ouais. Mais c'est vrai. Qui alors qui? Parce qu'il y avait Kamto. Kamto, mon ancien mari. Vous l'avez chassé. Avec votre tribalisme. Et alors qui? Vous parlez que dans les réseaux sociaux. Les boules dans les réseaux sociaux. Oh, ouais, 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 ouais. Quand les banniers sortaient, les machettes et les haches ici pour tuer pour bien. Maman, vous êtes où? Les boules. Moi, j'ai dansé ici avec mon camarade RDPC. Bia, bia. RDPC du Cameroun, bia. Ici. Je pouvais sortir en allant me taper là-bas du redon, du coup. Je n'ai vu personne. Hey! Non. On va former notre parti aujourd'hui. Aujourd'hui, on forme un nouveau parti. Oui. Même si je ne peux pas être opposant de mon parti, mais je peux quand même une deuxième. Parce qu'il faut quand même deux personnes. Hein. Votre candidat, c'est alors qui? Kabaki. C'est bon. Les gens qui ont un mandat d'être. Bon, je dis que c'est Wallace. On va former notre parti. Je vais réfléchir à ça. Je peux être président. Wallace a tout dit. Ah, Tiana. Mais où y'a? J'arrive à tout gérer. Hein? Là, vous dites, est-ce que vous m'avez voté? Parce que je ne comprends pas le. Attends, vous parlez. Je vais vous visser tout, ne visser. Je dis que. Je ne comprends pas. Quand vous ne me voyez pas, pour bien. Donc, ma chère, je peux aussi sortir pour aller pour s'amuser un peu. Ouais. Ouais, le voilà, l'autre, qu'on appelle. Yangon. Pourquoi la gauche? Oh! Là, dis quoi? Oui, elle ne doit pas se mélanger avec la racaille. Toi-même, depuis des années que tu es ici, moi. Hein? Ici, là. On t'a dit comment t'as dormi ici, là, besoin de quelque sort. Là où tu vis, tu viens de sortir à chasser. Tu te chasses partout. Ça, c'est vraiment. Tu vois? Nivakine avait raison que vous êtes deux. Il y a toi et Marine Voutou. Moi, je m'en fous. Mais je veux bien savoir que Marine Voutou, avec tout ce que tu dis. N'est-ce pas toi aussi tu étais avec eux? Pourquoi tu es allé en prison? Parce que tu as volé. Comme soi-disant ton père a volé et il est mort en prison. Tu ne parles pas de ça? Oh, mes enfants, et ceci, et ils ont un peu. Quand j'étais, en tout cas, moi, je n'ai pas tué maman. Ah, quand j'étais. Mais c'est quand même marrant quand tu parles. Oui, on va revenir à ça. Malène, c'est quand même marrant à Paris, si tu as vécu à Paris. Parce qu'à l'époque, moi, je fréquentais ces grands hôtels continentaux, à la rue de Rivoli, de Riz et tout ça. Moi, je t'ai jamais vu. Hein. Ah oui. Parce que moi, j'allais écouter, il y avait des pianos. À l'époque, il y avait encore des pianos dans les grands hôtels. Moi, j'avais mes amis. Et moi, je t'ai jamais vu. Hein. Donc, je veux savoir, mais mon corps, je t'ai pas vu. Parce que toi, tu connais les grands hôtels. Il y avait Napoléon, Abaza, Abaza. Parce que tu connais tout. Mais moi, j'ai fréquenté ces hôtels.
Bah oui, mais c'est marrant. Oui. C'est quand même marrant, hein. C'est quoi? Hein, Ania? Tu donnes la pierre aux énergies bamileke là pour tuer les boulots. Tu as oublié que Ngagna avait dit qu'on doit égorger tous les boulots ici. Tu as oublié ça. Ne peux pas que tu es boulot, hein? Ouais, Marlène. Naya! Ouais. Il y a quoi? Viens dans ton vieux canapé, comme je suis dans mon vieux canapé, on réfléchit à nos vies. On voit là où on a échoué, on avance. Naya, Marlène! Mon père, tu parles de tout, tu es intellectuel de quoi? Marlène, ça se fait qui? Le camp adverse, les bandits que je là, qui n'aiment pas les boulots, qui n'aiment pas les écarts, c'est tout. Ils vont t'envoyer combien? Mon petit, ça passe une fois. Parce qu'aujourd'hui, demain, quand tu ne vas plus parler de étudiants, tu n'auras plus personne à ta page. Hein? Il faut résister. C'est pour ça qu'il faut me voter. Votez-moi. Je dois être président dans ce pays. Oui, tu vas être président. Il faut une femme pour être président dans ce pays. Parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Va, on vote pour moi. Je suis président. Hey! Civilisation, ça, vous allez marcher comme chez, en Corée du Nord. Moi, je vous dis. Quand j'étais comme pleure, tout le monde pleure. Quand on dit, tout le monde dit, quand je soulève mon verre comme ça, vous soulevez le verre. Notre éducation, notre pays, on a besoin de ça. On doit être comme en Corée du Nord. D'abord, tu ne pleures pas, on t'arrête. Votez-moi. On va faire comme en Corée du Nord au Cameroun. Quand je passe, je montre que sur vous parce que vous aimez la civilisation. Ça où? Oh, vraiment. Tu viens sali? Quoi, je viens à quoi? Je me dis ça. Même si on n'a rien fait, même si pour lui a fait quoi qui, même si nous n'avons rien fait, moi-même si je suis victime, une victime innocente comme moi, que j'ai fait quoi, ma? Vous avez fait quoi? Et là, moi aussi, je suis là. On part quoi? C'était quoi? Ou en jeudi, lundi, le vol. Mardi, on est déjà là. Ok. Moi, j'étais là que. Moi, j'étais une petite suiveuse. On nous a chassés. Maman. Oh. Vous savez bien fait dans l'avion. Ça va bien. La honte de ça. Hey! Maman. La souillure de ça. Si vous savez. C'est pour ça que. Le Cameroun est. C'est le seul pays que. Mieux vous regardez le pays là. Parce que. Merde! Moi, j'étais souillé. Mais ça le fait bien. Hein? Hein? Ouais. Il faut supporter le pouvoir en place. Je suis bleu. Je peux faire que quoi? Oh, maman, je ne peux rien faire. Parce que si, moi, je suis en otage. Parce qu'une commande, je ne fais pas. Oui? Je ne peux pas parler fort. La fortune, je suis en direct. Je suis en direct, je te rappelle, d'accord? Je suis en direct. Quand il finit, tu vas appeler. Maman, nous a rapatrié. Hein? Hey! Maman, il est quoi, presto? Allez, appelez la fête. Oui. Maman, j'ai fait quoi? Je demande. Moi, j'étais une petite suiveuse. Je demande pourquoi on m'a choisi. Ils m'ont choisi. Vous m'humiliez. Et j'ai été humilié propre. Influencé dans le bureau d'État. Je me demande. Dis-toi, hein, cette histoire-ci, ça ne va jamais finir avec le Cameroun. Mais, tu sais, Malène, moi, au moins, j'ai terminé devant tout le monde parce qu'on a parlé de notre histoire. Les Camerounais ont oublié le football. C'est pour ça qu'on a même perdu pour s'occuper des influenceurs, des blogueuses. Hein? On a mangé l'argent du contribuable. J'ai que l'argent du contribuable. Tu payes les impôts. Ça va dans les poches. Hey. Malène, je suis boulot. Depuis de sans-moniment. Pour moi, c'est une très honte. Quand les boules veulent te faire honte, ils te font honte. L'autre, elle est fond. Oui, je suis gel, mais elle n'est pas du gel. Moi, je suis vraiment boule d'Anna. Voilà, le truc de présent. Moi, voici ici. Hey! Ils ont eu pitié de moi. Toi, tu es là. Où est la maison là que tu ne payais pas là? Tu ne comprends pas, moi je connais vraiment. Tu ne connais pas ce qu'on appelle boulot. Et vous avez dit,
Les gens là, moi je suis Bruno. Quand on va te faire honte, là là là. Parce que Bruno supporte tout, mais quand tu as hey, qu'on va te faire. Donc, Marlène, s'il te plaît, arrête un peu, tu vas un peu loin. Regarde tous les bambins que tu fais là, t'es là. Les gens la brassent. Ou c'est quoi qui te supporte là? Hé, hey, Marlène a bien parlé, ça va changer quoi? Moi, où est votre candidat? Moi, je veux voir votre candidat. Ah oui? Qui est votre candidat? Que Denis Vincent arrive. Vous croyez que par rapport à lui arriver, il y a vieux. Je ne sais même pas pourquoi il est encore étudié là-bas. Hé, hey, ne soulève pas, qu'elle soulève maintenant depuis des années là. Tu as fait l'autre. Elle ne demande pas à soulever. L'autre. Il y avait un là, vous savez tout à l'heure, c'est qui vous souvenez de l'histoire. Oh, demain, va faire la marche. Maman, il est parti seul. Demain, la marche, déjà, était venu. Oui, demain, maman, il est parti seul. La police a pris. Mets-toi en prison. Pétard. Tout le monde regarde. C'est la petite boutique. Parce qu'on est habitué comme ça. On est comme les Congolais. Vous voyez, vous avez vu un peu. L'histoire de Tsemobutu. Maman. Oui. Poubia, c'est un président gentil. Ah oui. Un président qui est gentil. Parce que si on me vote président dans ce pays-là, je dis que hein, je veux payer les talents qui sont comme ça. Couchez-vous. Je montre suffisamment chez vous. Parce que hein, il faut une civilisation. Il faut les avoir ça dans ce pays. Mais c'est quoi ça? N'importe qui va insulter la première dame. Eh, Marlène, toi aussi. Hein? J'attends des autres belles soeurs, même si elle donne maman Chantou, elle va faire comment? Le père est vieux, elle là-bas ne donne plus. Hein? Donc elle va faire comment? Donc elle va souvent s'entourer des femmes pour les charges ou bien les. Hey! On a un champonné à un enfant? Non, ce n'est plus champonné, c'est le whisky. Mais champonné à la couleur du champagne, à la couleur de. Je sais pas moi, de, voilà. À la couleur du thé? Hey! Vous venez mettre quoi? Montrez-nous. J'ai dit que le nouveau candidat, c'est qui? Parce que c'est lui. Il n'y a pas de candidat, il n'y a rien. Hey, aucun candidat. Tu me présentes. Oui, c'est. On est démocratie, non? Maman. Je vais me présenter. Je vais me présenter. C'est ce que les gens vont voter. Civilisation, ça va. Le pays là doit être comme la Corée du Nord. Quand j'ai dit qu'on pleure, tout le monde pleure. Et je veux qu'on les fait là. Mais oui. Il y a des gens comme ça. Elle est au Cameroun là-bas. Où est-ce qu'elle a fait un des personnes là-bas? On l'a chassé. Elle met sa grosse bouche. On l'a chassé. On l'a mis la main dehors. Hein, tu as fait combien de temps? Tu es revenu. Dès que tu es arrivé, parce que Guylaine Chapi. Guylaine Chapi, c'est une Camerounaise. Je suis désolé. Et vous, avec les Guylaine Chapi, vous avez déjà vos problèmes là-bas depuis. Hein? Depuis des années, Max Chopa, maman Guylaine, tout avait un problème. Donc le fait, il fallait qu'on t'invite. Si d'abord le peuple camerounais, d'abord, on a laissé d'abord qu'on te chasse de la maison là, du là. Donc devant qu'on t'invite à là-bas et tout dit. Oui, mon père avait appelé Paul Biya pour dire que ça ce n'est pas une femme. Parce que c'est une femme qui travaillait dans les bars, c'est une femme qui faisait ceci. Et il fallait pas te prendre toi parce que tu es intellectuel. Hein. Il vous jure que. Hein. Si c'est ça. Malène et Boutou qui était. C'est quoi les amants? Il dit que si c'est Malène et Boutou qui était présidente, qui était la femme du président, c'est que les influenceurs n'existent même pas. C'est qu'elle envoie les gens nous tabasser même ici. C'est qu'on ne fait pas ce qu'on fait là. Hey, maman. Non, Malène. Mais arrête comme ça va changer quoi là ta vie. C'est toi qui as connu ce monde là. Tu les as connus, tu as volé, tu étais en prison et tout ça, tu as fait beaucoup de choses. Oui. Parce que moi, je me savais, quand il y avait eu un problème ici avec la brasse là, on parlait souvent les harmony people, this man go kill. On n'entendait pas aucun bruit de sortir. Moi, j'étais ici. Puis il y a des messages du Cameroun. Je dis que, hein, fire, this man go kill. Maman! Les boules étaient cachées, hein. Maintenant, vous sortez parce que cette énergie-ci, qu'on appelle Marlène, vous êtes sorti. Marlène, veux-tu sortir sur moi avec les asticots, hein? Je m'en fous. Tu sais, tu as fait une erreur la dernière fois, tu sais. Quand tu avais une attache à Monaco, son CV, ça sera quoi si ses enfants partent à l'ENA et tout. Mais vous t'ai dit que, mais toi, tu fais, hein. Parce que son nom est déjà dans ta, quand tu accouches, le nom de tes enfants sont dans tes, comment on appelle,
On appelle ça comment? Quand tu accouches là, dans l'acte, et les enfants vont réussir, on va barrer tes enfants dans tous les ministères partout. Change le nom, refais le bas au Cameroun, tu changes parce que je dis que c'est fini pour toi. C'est quoi ton problème? Tu vois que là où tu parles, parce que votre maman, ils sont là. Il faut voir comment t'accueilles. Oh, Marine, c'est vraiment la chiba, mais lui, c'est qui a pris le. Donc tu viens parler la première dans toi, le pouvoir des réseaux sociaux. Tu n'as même pas honte. Oui. Parce que tu parles de la première dame. C'est quand même superbe. C'est quand même superbe. C'est la première dame d'un pays. Quand tu insultes là. Et tu es contente. Que tu as mouf. T'as même pas honte. Moi, tu n'as pas une voiture que moi, les étoiles, comme moi, en tout cas, moi, je n'aimais plus les étoiles. Tu n'as plus les publicités par moi, tu as mis quelque chose. Mais attends, tu te prends pour qui? T'as même pas honte? Une boulou. Quand vous êtes en train de vous foutre à foutre là-bas. Oh, j'ai grandi là-bas. C'est pas pareil quand tu fais des choses. Oh, j'ai grandi là-bas. J'ai grandi où c'est en Centrafrique. C'est quoi ton histoire même? Ton story de la vie, c'est quoi? On ne comprend pas. Mon dose, ce n'est pas ton père. Quand tu vois mon dose, on te voit, vous avez le même visage. Hey! Maman. En tout cas, Malène et vous tous. Si tu veux, tu continues, hein. Mais tu es méprisable. Parce que les gens qui sont en face là, les bamiers, qui sont en face là, frélatés là, qui te suivent là, ils sont contents. Parce que tu émules les boules de Benou, les boules de Aka. Parce que nous, on n'a pas honte. On est à mort depuis. Les boules sont à d'ail depuis. Donc, ce que tu fais là, ça ne chauffe même pas. Parce que nous, on te regarde. Qu'est-ce que c'est ça? Non, moi, je suis pas d'accord avec toi, hein. Non. Donc, moi, il y a les gens qui disent oui, moi, je m'en fous. Donc, ces gens, tu penses que tu as fait des bons, hein. C'est bien. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu dois respecter quand même notre suprême. Notre suprême, Maa Chantal. Maa Chantou. Elle est joyeuse, elle danse. Elle. Maman, il faut souvent. Le Mingono. On a vu même comment la son nom. Petit nom, c'est encore poésie. Hey! C'est type, quand il parle aussi. Elle pas mettre. Elle est comme Maa Chantal, mais les talents qui ne lui suffisent même pas. Elle n'a pas marché les talents. Hey! Hey! Ouais, ouais. Vous savez, les jaguis, c'est quelque chose, hein. Tout le monde, vous les jaguis à Facebook, hein. Méfiez-vous, ça peut vous arriver, hein. Méfiez-vous. Les jaguis, c'est. Hein? Mon nom bon. Si vous suivez aussi pour mon nom bon là-bas, hein. Hey, mon nom bon, a fini avec machin. Ah, merde. C'est chaud à Facebook. Tu vois machin. Jusqu'à. Malin, je te dis que machin a des faux profils. Mais vous parlez même de qui là? Je ne comprends pas. La femme du président du Cameroun, on parle comme ça. Hein? Quel est le faux profil? Hey, tu as les faux profils. Tu les. Ouais. Laissez-moi chanter tranquille. Malène Wakou. Wakou. Hey! Ngon bon. Allez suivre. Laisse-moi dire, je veux faire quoi avec l'histoire-ci? Aïe, 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 aïe. Ma chante. Bouffe ton djangui aussi, hein, parce que je sais que. Avec nous là, tu es bloqué, n'est-ce pas, tu danses sur Facebook. Hein, machin tout. N'est-ce pas, tu danses. Facebook n'est pas une personne, ouais. Ouais, ouais. Je te dis que machin bouffe bien son janvier de tout aussi. Parce que là, machin bouffe bien. Ne venez pas vous naguer à Facebook. Facebook n'est pas facile. Hein. Vous dites, vous venez là, vous venez m'imba que maman, même si même pas que. Facebook, il n'y a aucun respect. Aucun respect, zéro. Zéro paix à Facebook. Maman, zéro paix de tout ça. Vous avez vu? Maman, vous pouvez insulter qui? Les suprêmes, maman. Ah, merde. Machin. Ouais, machin, vous faites sa part. Non, ton janvier est fort, machin. Maman, bouffe. On est 15 jours aujourd'hui, samedi non. La semaine prochaine, ça va finir. Donc, tu vas encore bouffer aujourd'hui, dimanche. Lundi, on va prendre quelqu'un d'autre. C'est comme ça, machin. Tu es blogueuse, tu es devenue blogueuse normal. Acceptez seulement. Vous avez visé avec Facebook. Continuez. Nandjangi, Nandjangi à Facebook. Never bye, 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 b
La première dame. Mais attends, mais je te marie avec tes nombreux enfants. Oui, envoie-toi eux. Tu es tellement intellectuel, tu n'as jamais eu un cabinet de docteur, je ne sais pas quoi, tu n'as jamais eu exercé nulle part. Oui, moi je te parle. Tu as exercé où? Tu es même sûr que tu sais qu'il y a des gens qui parlent français sans être à l'école, ma mère. Mais oui, moi je te dis la vérité. C'est quoi ton problème? C'est toi qui étais avec eux là-bas. T'as le pourquoi, de la grandeur. Si tu as échoué, on t'a donné peut-être ton, comment on appelle ça, l'opportunité d'être quelqu'un. Puis tu as volé pour me condamner. Tu es venu trouver ici à Facebook. Ne la ramène pas quand même. Ne la ramène pas. Hein? C'est quoi ton problème? Mais calme-toi. Tu continues. Si tu veux, moi je m'en fous. Hein? Tu crois qu'on ne peut pas t'atteindre ici? Hein? Tu ne connais pas les gens là. Hein? Ou bien c'est un président qui est très gentil. Hein? C'était moi. Tu es à moi depuis. Tu dis. Et tu allez, c'est le secret. Fini là. Vite fait, bien fait, tout le monde est content. Je te dis. Mais tu viens de. À quel moment?
Vous pensez que le vieux père là, pour lui avoir encore se présenter, pour faire quoi? Mais il y aura toujours quelqu'un du RDPC qui sera là, si c'était moi. Ouais. C'est que la première vidéo que tu as fait, le lendemain, on allait te géolocaliser là où tu es. On allait. Sophie, on allait te. Vite fait, bien fait. Comment? Deux marchands ne doivent plus sortir. Elle ne doit plus faire ceci. C'est quoi? Pour bien épouser marchand à quel âge? Marchand avec elle à l'époque. Et vous me dites? Il est vieux. C'est quoi? Mais c'est un vieux respectable. Hein? Depuis qu'on a géolocalisé, on a plus besoin. On a décolonisé, on se débat par terre. À Yaoundé, là-bas, tous les bateaux, les bottes, tu fais la tête pour payer ça, 200 ou à Belgique, là, à l'Allemagne et tout ça. Les problèmes ont commencé. Arrêtons un peu, hein. Tu dis quoi? Donc, vous êtes contente. Les bouts sont contents. Ce qui arrive là. Mais moi, je ne suis pas avec vous. Hein. Moi, je n'ai rien. Moi, je peux parler de parce que moi-même, on m'a chassé. Maman. Moi, je suis camerounaise. Je ne suis pas française. La seule personne qu'on devait chasser dans ce pays-là, c'était Marie-Christine Mouzebra, c'est elle qui est française. Comment on peut chasser une Camerounaise dans son propre pays? C'est normal ça. Mais moi, on m'a chassé dans mon pays, j'ai accepté. Et on a dit, fais les vidéos. Oh, je veux faire ceci. C'est, on est où je donne les vidéos que madame Mouji qui a dit qu'on donne, qu'on fait. C'est pas une honte ça. Hein? En tout cas, ceux qui sont contents de la sortie de Marine Nzoubo, moi j'espère que ça va finir le week-end ici. Que ça ne continue plus. On a tué les fils des présidents ici. Ici. Vous connaissez les histoires qui se passent ici. Ce dont tu veux dire, Daï. Si tu veux Daï, ne dis pas que c'est le Cameroun. Tu as une dépression. Le doctorat à quoi même? Elle est exercée où? Tu as de beaux enfants, j'ai dit, tu as des garçons, tu as des filles très belles et tout. Où sont leurs papas? Il faut t'en vouloir à leurs papas qui t'ont abandonné. Parce que tu, au nombre, il y a un Yéman, si tu es une savante. Quand tu composes ça ici, toi tu dis que non, ça doit être ici. C'est comme ça que tu es. Intellectuel des réseaux sociaux. Hein? Ce que tu fais là, ça bénéficie qui? Les bamiékés frelatés qui n'aiment pas les boulots, c'est tout. Tous les bamiékés ne sont pas pareils. Mais il y a certains bamiékés qui sont radicales. Ils disent radicales qui n'aiment pas les boulots, qui n'aiment pas les écarts, qui n'aiment personne que eux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aucun bamiéké ne sera président dans ce pays-là. Aucun bamiéké. Soit ça part au nord, soit ça retourne au sud. Ce qui est sûr, c'est ça. C'est moi qui vous dis. Ben oui, votez-moi, ouais. Je veux créer mon parti. Comme vous, il faut quand même un peu qu'une femme gouverne pas ce pays-là. Hein. Parce que les femmes sont très dures. Hein. Votez-moi. Maman, la Corée du Nord, d'abord, je t'aime d'abord tous les sentiers. Personne n'entre, personne ne sort. C'est quoi ça? Hey, que les Bamiékés sortaient ici pour aller. Maman, on suivait en Suisse. On a vu ce qui s'est passé en Suisse. Partout. Ils disaient, on a cassé les ambassades. Maintenant, là, on ne peut plus entrer à l'ambassade. Même s'il neige. On va demander votre passeport. Vous êtes dehors. Dans la neige. À cause de qui? Moi, je vous parle. Hein? Quand on va parler, oh, la gauche, je vais parler. Moi, je ne parle pas avec les Bamiékés. Les Bamiékés qui aiment la paix, je suis avec eux. Ceux qui n'aiment pas la paix, c'est leur problème. Hein? Hein, tu avais chez maman. En tout cas, ça bénéficie aux gens qui ne servent à rien. Parce que tout ce que tu as sorti, tout ce que tu as sorti là, ça bénéficie aux Bamiékés. Oui. T'es là, hein, maman. Et parle bien quoi. Hein? Si le port de Douala était encore, comment on était encore là? On allait arriver là. Oui. Parce que maintenant, il faut aller payer la direction de vos voitures à Yaoundé. J'avais bien vu l'histoire, c'est ici. Voilà, c'est aujourd'hui. Une boule. Tu vois, quand tu as fait quoi, Marie? De moi, je suis boule, hein. Oui, je suis boule à roue, c'est ça. Mais, je vous dis une chose, ça ne me touche même pas. Mais, je parle parce que je vois certains gens qui sont d'accord avec toi, que marchand, ceci. Oui, je suis boule, je peux parler de toi. Mais ce que tu as fait n'est pas bien. Marchand, c'est notre belle sœur. C'est la femme d'un président de Paul Biya. Oh, on commence par. Anna, laisse-moi. Tu veux y mourir ou quoi? Maman. Pour bien va partir. Tu veux quoi qu'il peut se présenter?
Mais parce que vous n'avez rien, vous avez qui alors pour présenter, pour battre les RDPC. Vous me dites. Dit, hein? Vous avez qui pour battre les RDPC, je ne vois personne devant. Hein? Il y a qui? Moi, et vous me dites, parce que je suis pose souvent vos histoires, racontes. Il y a qui pour battre les RDPC alors? Et oui, vous me dites. On est en train de former Franck Biya devant vous. Vous ne dites rien. Est-ce que c'est ce que c'est RDPC qui va prendre, c'est Franck Biya qui va prendre le pays? C'est tout. Il y a qui devant là? C'est pas Fabien, c'est l'armée ou c'est la roue, ça c'est tout. C'est quoi votre problème? Un pays de faux, usage de faux. Hey! Tu es habitué, non, 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 c'est bon. Donc, si tu veux, tu continues. C'est toi qui as les enfants, c'est toi qui as les enfants, hein. Moi, mes enfants sont les dévraiments, hein. Elles ont leur vie, elles font leur vie. Ce sont tes enfants qui sont encore petits. Et Julia a fait ceci, et Julia a fait ceci, et bazabazabaza. C'est quoi? Les opportunités que toi tu as aussi, moi j'avais ça, hein. Maman, est-ce que je suis mis par le canapé, c'est aujourd'hui. Toi tu as eu, et tu as touché. Si tu dis que tu as fait l'enfant avec le président, ou c'est bien des langues, en Guinée équatoriale. Mais comment tu te retrouves dans cette situation, maman? Oui. Parce que on aime pas y'a un Yéman. Tu connais tout, un Yéman. Quand tu trouves que quand j'ai lu, il a posé son truc ici, toi tu dis que non. Ah, chérie, non, je suis pas ici, moi je veux pas voir ça. Tu mais non, ça se fait pas. Hein? Parce qu'apparemment, toutes tes affaires que tu as eues, ce sont que les pères de tes enfants sont les papas très riches, de bonnes familles, hein, baza. Mais accepte un nom. Moi, j'ai capé, il m'a amené en France. Oui. Alors. Dans les bouts de son corps, maintenant vous sortez, vous supportez Malène. Je dis que, hein, Malène. Dès que Malène ne va plus parler de la première dame, où apparemment, on l'a appelé. On l'a appelé, comment est-ce qu'il l'a appelé? On l'a appelé où? Du Cameroun? Qui l'a appelé? Hein? Qui l'a appelé? Voilà, laisse faire. Et c'est très bien. C'est ça que moi j'aime les Russes. Quand c'est comme ça, si on n'arrive pas à t'attraper ici, on prend ta mère. C'est très bien fait, autant. Oui? Donc ce que malheur fait la gueule. Et les boules commencent à sortir, des carnivaux. Vous êtes où? Vous êtes où? Moi, j'étais ici à te supporter pour bien. Maman, je pleurais même si je ouais! C'est ça que les Américains l'ont jeté ici, là, dans tous les pays où ils partaient, maman. Les boules étaient où? Maintenant, une petite chienne de bâton qui a raté de monsieur dans le Cameroun, je ne sais même pas, au Cameroun là-bas. Il y avait des opportunités. Elle baisait avec les ministres, je ne sais même pas ce que pour bien, même passer sur elle. Parce que pour dire, avant, il était un homme qui aimait beaucoup les femmes. Hein. Je suis sûr que tu étais amoureuse de Paul Biya. Parce que c'était un bel homme quand même, allez, oui, à la jeunesse. Hein. On dit que c'était un chaud lapin. Je suis sûr que tu étais amoureuse de Paul Biya. Je suis sûr. Oui, je suis sûr. Parce que Paul Biya aimait les femmes, apparemment, oui. Oui. Je suis sûr que. Oui. Parce que Malène se voit, maman. Vraiment, Malène. Moi, je ne suis pas. Malène a bien parlé de certaines choses, oui. Mais, non, tu n'as même pas bien parlé de quoi que ce soit. Oui. C'est ce que tu as une as avec Paul. Parce que la carte est jalouse ici. Parce que une blogueuse est allée saluer. Marc Chantal, l'autre Marc Guy est allée saluer. C'est là que le problème commence. C'est toujours en train de dénigrer ces femmes-là, ces prostituées. Toi-même, tu es quoi? Tu es une prostituée, Malène. Parce que une prostituée, c'est celle qui a fait des enfants avec beaucoup d'hommes. On t'a jamais assumé, on t'a jamais accepté. Tu es une équipe prostituée. Hein? Tu m'as dit une prostituée parce que les footballeurs sont passés sur toi avec un seul préservatif. D'accord? Regarde-moi celle-ci. Moi, je ne t'aime pas. Maman, comment tu peux faire 6 enfants ou 7 enfants avec les pères? Aucun homme ne t'a assumé, ne t'a épousé, il n'y a que monsieur joli. Monsieur joli. Le juif, quand tu vois le type là, un mongol, que j'ai dit que. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe si tu te retrouves au Cameroun? Donc, monsieur Joli ne peut pas payer ta villa? Monsieur Joli ne peut pas payer ta villa? Vraiment? Donc, tu n'avais même pas des amis à côté? Quand tu peux te dire, ouais, ma, c'est chaud ici là, prête-moi un peu quelque chose là, je paie mon loyer. Donc, il n'y avait personne? Parce que tu n'as personne. Tu quittes ton mari? Non, tu pars, tu prends la villa avec tout ce que tu as amené quand tu avais envoyé. Mm-hmm.
Mais moi, quand il y a eu le meeting de 40 ans de Paul Biagi au Cameroun, hein, j'avais même filmé. Mais je n'étais pas vu au meeting samedi matin. Hein. Parce qu'après, on devait partir à comment on appelle ça? Chez eux là-bas, pas étudié. En vraiment, car j'ai dit que moi, je ne pars pas, je m'arrête ici. Mais je n'étais pas vu, hein. Il y avait les Marie-Angèle, il y avait plein de grandes femmes que je connais. J'étais là-bas, j'ai même filmé tout, vous avez vu. Vous vous souvenez, la dernière fois que j'étais au Cameroun, oui. Il y avait aussi les 40 ans du LDPC ou autre comme ça. Mais je n'étais pas vu à Samélima. Ah! Tu étais amoureuse de pas Paul Biya. Parce que tu dis, hey, mon père avait appelé Paul Biya pour dire que ma chambre n'est pas bon. Donc c'est toi qui étais bien, donc d'autres y a fabriqué pour que c'est toi qui vas rester étudié. Tu veux pas Paul Biya fou. Il a d'abord eu une première femme dictature qu'on appelle ma Irène. Toujours avec le truc attaché comme ça. Elle marche comme ça. Que ce. Donc, c'est ce que marche. Pour bien ne parler même pas pendant de parler là-bas parce qu'on dit qu'elle était dure. Hein? Hein? Mais attends, il a vécu dans un enfer pendant un moment. Il va choisir une petite poupée qui va tourner avec elle qui aime la joie, qui boit le champagne, qui dit waouh waouh. Mais alors, mais c'est ça. Ben oui. Quelle était facile. Donc, il fallait encore qu'on te présente, toi. Et on vous tout. Est-ce que tu sais, si c'était toi qui étais au Cameroun, premier dame, est-ce que je n'existais même plus, on m'a tué depuis. Parce que tu es tellement dur et méprisante. Tu méprises tout le monde. Personne n'est rien devant toi. Personne n'a fait des études devant toi. Mais tu te. Mais attends. Hey, Facebook, si. Machin, accepte aussi que l'Indjangui, tu sais que quand tu commences à danser à Facebook, on te met les petites vidéos, tu danses là. T'as pas parlé, bonjour. Je croyais que 2024 allait être une année de paix. Mais 2024, ça va dépasser 2023. Hey, Massa. Hey! Qui va te négliger? Machin, accepte, ce n'est pas grave. C'est ta belle soeur. Eh oui. Massa. Et comment il n'y a pas le temps pour parler, pour bien parler son français? C'est à Facebook que tu dois parler ton français. Ce n'est pas grave. Ma chère a bouffé son djangui. Toi, tu vas bouffer un djangui qu'elle. Hey! C'est sur elle qui commence. Hein? Comme l'histoire là, vous vous souvenez, les veuves joyeuses, les femmes assistées, les prostituées et tout. Que moi, je t'avais fait quoi? C'est sur toi qui commence. Qu'est-ce que tu es? Que maintenant, tu es influente. Là, maintenant, les gens te parlent parce que tu es devenue influente, influenceuse, c'est pas quoi? Donc, tu es financé parce que tu es la première dame. Attends. Je suis là depuis, je suis l'ancêtre de Meta. T'inquiète pas. Bientôt, on va t'oublier. Mais oui, parce que tous ces bamiers que flatter là, qui n'aiment pas les boulots, qui n'aiment pas les écrans, sont maintenant là, ils te citent. J'espère que tu as encore un peu d'argent derrière, hein. Oh, vraiment, malin. Mais les poules, moi, je dis, alors, oui. Tu dis, le soir, disant, mais je t'ai jamais vu dans un meeting au Cameroun, hein. Oui, je t'ai jamais vu, hein. Ben oui. Et tu penses que ça, là. Maintenant, les boules sortent. Oh, Malène, laissez Malène. Je ne laisse pas Malène. Elle a mal fait. C'est quand même la suprême des suprêmes. C'est la pénétrante d'un président qu'on parle, là. Quand on est sur les réseaux sociaux, arrêtez un peu. Après, quand je peux comme ça, m'a envoyé quelque chose, maman. Je n'ai pas besoin, hein. Moi, j'ai ma carte, mais je m'en mets, tu que mon argent sort. Hey! Un boutou. Zazamot, Zazaminga. Aouta. Oui, c'est la poisse. Oh, mais oui. Dans cette salle, il y a un gars là dans la voiture avec son gros visage ou métis ou quoi. On vous ignore. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Tout le monde sort maintenant. Mais quand on le tape ici, mais quand vous voyez Paul Biya, et que le président Paul Biya pas encore se présenter, il va tuer un RDP. Il y a Niat. Le président du Sénat, c'est un Bamiké. Pourquoi vous ne parlez pas du président du Sénat qui quitte aussi? Parce que c'est comme ça. Paul Biya pas, Niat pas. Niat aussi peut laisser un peu sa place au Sénat, non? Il y a là. Les deux là sont. Je dis que. Ils sont ensemble. Qui parle de Niat ici? C'est pas un Bamiké. Ben oui, il a aussi le pouvoir qu'on peut bien. Il peut aussi quitter le Sénat. Si c'est maintenant qu'il part, n'est-ce pas pour lui aussi, il va partir. Il faut voir ce qu'il faut là-bas. Quand c'est pour les boules, vous parlez. Niet! Le président du Sénat, il fait quoi encore là-bas? Il est jaloux, lui, ils sont deux. Ils ne marchent même plus ensemble. Vous ne parlez pas. Quand c'est pour les bâmes, vous ne parlez pas. Quand c'est pour les boules, les quoi, vous parlez. Niet fait quoi encore là-bas? Hein?
Voilà Momo. Attendez, je vous mets le morceau. Le ministre, là, Momo, attendez, je vous mets son morceau. Donc, il est aussi chanteur avant, attendez. Momo. Hey. Écoutez, maintenant, il mange pas. Attendez ce qu'il disait avant. Momo, le président, vous savez pas que. Vous savez pas que c'était un chanteur avant. Hey, maman. Vraiment. Momo. Call from 075-889-0349. Oh, on a enlevé la vidéo. La personne là, ils ont enlevé la vidéo. C'est contenu. Le contenu n'est pas disponible. Ils ont enlevé la vidéo. Parce que vraiment, tout la il chante rien. Oui. Oh, machin, après ceci, machin. Maintenant, il me mange, il chante encore. Hmm? Oui, c'était là, oui, Jean de Dieu, Momo, il y avait son maman. Il m'a dit, donc, maman, il dénivait, ouais. Ils ont enlevé, voilà, ça, c'est contenu, non. Voilà, c'est ici. Il n'y a pas de contenu, vous avez vu, non. Ils ont enlevé. Ah oui. Vous allez écouter ce qu'il dit. Maintenant, lui, il est assis là-bas, il a son gros ventre. Mais, maman, il est là-bas assis. Oui. J'ai dit que ça vous plaise ou pas. Aucun Bamileke ne sera jamais président dans ce pays-là. Mieux, je ne vais plus arriver à Bamileke. Mieux, vous ne parlez plus. Vous allez faire quoi? Élever le port là-bas et tout. Hein? Vous êtes les commerçants, restez dans vos commerces. T'es un commerçant. Mais restez dans vos commerces. Mais quand vous aimez le faux, maman, si en un jour, peut-être qu'on ne sait jamais, on va me donner ma part du Cameroun. Je ne mets plus les pieds là-bas. Vous là? Hey! Hmm? Voilà la reine, comment on appelle ça? La veuve là, la veuve de sous là. Vous êtes, excusez-moi, parce qu'il y a un Bamileke ici. Vous aimez les trucs ancestrales. Voilà une veuve de blanc, comment on appelle la baronne de Suisse. Son mari est mort. Elle se retrouve où? Elle n'a pas fait son veuvage, elle n'a rien fait et tout. Mais si c'était moi, vous avez pour chacun ici. Au cimetière, on a fait des choses et tout. Voilà. Mais si c'était alors, une fois qui se comportait comme la comment on appelle la baronne, hein? Oh, tout le monde est sorti. Vous avez les quoi? Ils n'ont pas les traditions, ils n'ont rien. Oui. Mais voilà votre soeur, la baronne de Suisse. Elle est là-bas. Oui. Elle est contente des veuvages, de l'argent et tout ça. Et son mari. Elle n'a même pas pleuré pour son mari. Oui. C'est vous qui vous avez fait les lois ici. Elle est le bannier. Quelle tradition? Quelle tradition? Voilà. On ne peut pas parler, parce que si on parle, on est tribaliste. De ça, non? Donc, Malène et Voutou, pour finir, je vais te dire une chose, c'est que, hein, ce que tu as fait est mauvais. Arrête. Si tu veux, tu continues, hein. Moi, je suis avec le peuple. Moi, je soutiens le pouvoir en place. Même si on ne me donne rien. Parce que toi, moi, déjà, quand une fiancée se sort, oh, on vous a payé. Mais quand te payer, qui te savait? Quand te payer, toi-même, Malin Voudou, qui savait? Maintenant, c'est là dès qu'on défend le pouvoir, oh, on les a défendus. Machin, comment ça va changer, quoi? Hmm? Un pays esclave comme ça, avec des gens comme toi, tu es bipolaire. Tu as eu les opportunités. Les opportunités, tu as coutoyé du bon monde, comme tu sais bien le dire. Hey, j'ai un enfant ici, avec Théodorine. Ah ouais! Tous tes enfants, c'est seulement les riches. Mais pourquoi aucun n'était épousé? Pour vivre en France, il fallait que tu te fais, maman, quand je te vois, et je vois les types là, pas joli sur toi là. Enfin, c'est vraiment. Je ne peux pas comment parler, Didier. Je dis la vérité. Tu as fait une petite fille et tout. N'est-ce pas, tu es mariée, tu as fait un enfant, mais pourquoi tu n'es pas française? Qu'est-ce qui t'empêche d'être française? Moi j'ai mes choses que je sais que je ne peux pas être l'instant. Mais qu'est-ce qui t'empêche? J'ai dit que je ne veux pas les Bamileke ici. Parce que quand je parle comme ça, moi que je suis tribaliste. Parce que pour vous, comme vous êtes inculque, tout pour vous, c'est que on a. D'accord, tu Bamileke, alors que ce n'est pas ça. Il faut souvent écouter quand la personne parle. Tout le monde sait qu'il y a certains Bamileke, il y a certains ici qui sont vraiment tribalistes. Oui? Il n'y a pas de Bamileke, même les boules sont tribalistes. Tout le monde est tribaliste, vous fiez-vous, hein? Tout le monde est tribaliste. Vous savez, il n'y a plus de tribaliste du Cameroun, sauf de qui?
Où? Les doigts là. Ah là là, là. Les doigts là. D'abord, un. Il mange que la nourriture, voilà. De deux. Il met que sa musique. Le doigt là ne met pas la musique de quelqu'un d'autre. On va danser Makossa du lundi à lundi. 24 ça sur 24. Il ne change pas la musique, même dans la boîte de nuit. Tu m'entends? Et quand il change, il peut y mettre un peu la funk. Oui. Les plus tribalistes, ce sont les doigts là. Oui. Moi, je vous dis. Donc, vous, là, vous dites, oh, les gens sont tribalistes de quoi? Moi, je parle de ce que je vois. Mais oui. Les tribalistes, oh, les doigts, maman. C'est là que tu entends qu'une fille doit là et partir se marier là-bas. Hein. Qu'une fille doit là et partir se. Non, non, non. Ils aiment dans leur carabote là, ils aiment leur petite vie. Tu vois, un homme dans la maison, il y a un tout ici. Ils ne peuvent pas prendre un petit contre-plaqué dehors pour venir fermer le tout. Non, ils aiment vivre, ils vivent comme ça. Oui. Dans vos choses là, laissez donc Marianne dire si tu crois que tu n'as gagné personne, c'est la honte pour toi. Tu avais dit ce que les enfants de. Comment on appelle ça? De comment on appelle mon ancienne sœur là, attends, c'est mon accord. Que quand il, parce que en plus, elle parle, elle dit que les gros noms, les grands noms et tout et tout, mais ce sont tes enfants. Tu connais ce qui se passe ici dehors, la mafia qui est ici dehors, ce sont tes enfants, donc change leur acte de naissance. Parce que quand ils vont aller à l'ENA, comme tu toi, ils vont aller à Sciences Po, parce que tes enfants. Ils font là l'ENA, Sciences Po, machin, tout ceci. Vous comprenez? Il faut faire très attention. Maman, tes enfants vont la cause. Maman, mais tu rêves ou quoi? Comment tu fais 6 enfants? Maman, il y a même quelqu'un qui t'assume. Hein? Moi, j'étais au meeting là-bas, ça m'a dit, pas de vos meetings, hein, mon chat. Je dis que les plus tribalistes du Cameroun, ce sont les doigts là. Les babillets, les poilets, nous, on est quoi? Hey! D'abord, ils parlent d'abord. C'est rare qu'ils parlent français devant vous. Les doigts là parlent que leur patron. Ils sont comme les Congolais. D'abord, on dit que ce sont les Congolais. Vous parlez quoi? Il faut vivre dans les communautés, vous allez voir qui? Les doigts là? Ils ne se mélangent pas, hein. Ah oui? Les doigts là sont les plus tribalistes dans le noir. C'est moi qui vous dis. Les quoi? Les bannes, qu'est-ce qu'on fait là, toi? C'est juste le clore. Vous ne connaissez pas. Donc, Marlène, tu crois que ce que je fais là est bien? Et tous les gens qui vont m'insulter, bon, j'attends une insulte là qui dit. Les tous, maman, moi, viens, moi je sors sur Marlène, quand je veux, je m'en fous de toi, je m'en fous d'elle. Tout le monde est prostitué. Qui n'est pas prostitué? Alors, moi j'avais 2 enfants différents, avec 2 pères différents. Oui, ça fait quoi? Mais elle a quand même fait 6 ou 7 enfants différents avec, ou 5 enfants avec les hommes. Elle était obligée de venir ici en France, trouver monsieur Jury dans un @yahoo.fr, dans un site internet. D'accord? Pour trouver monsieur Jury, un juif. Mince. Vous avez la synagogue un jour. Ta fille ne veut pas faire le bar. Où c'est bar miska? Où c'est bar miska? Où c'est quoi les choses là qu'ils font là? Elle va aller faire le bar miska, non? Des choses là que les juifs là. Métis, jamais, n'a pas. Ah non. C'est encore quoi là-bas? Oui, les gens, c'est. Mais oui, attends. Quoi, c'est quoi? Il faut arrêter. Si les gens t'applaudissent, les gens qui t'applaudissent là. Les gens t'applaudissent là-haut, oh, Marlène a bien parlé, vraiment, on adore Marlène. On t'adorait avant. Hein, Marlène? Maintenant, quand tu pars souiller les boules, la femme doit président, chef d'État, président. Les frères, la tête sorte pour t'accueillir. Oh, Marlène est fort, Marlène a bien parlé, vous étiez où? Quand les boules, vous étiez où? Vous les boules aussi. Quand on allait, maman. Les barricades sortent les haches et les couteaux. Les maquettes ici pour tuer pour le bien ici. Partout, on le suivait partout, maman. Les ambassades cassées. Eh ouais. Les boules étaient où? Parce qu'une petite sale chose comme Marlène Voudou, qui a raté son introduction dans le gouvernement là-bas, là où elle a d'abord volé, on l'a mis à Kondangui. Viens parler. Les boules sont d'accord avec elle. Moi, je m'en fous de moi, je parle. D'abord, vous et moi, hein. Vous êtes d'accord, là? Hein? C'est votre problème, là, je m'en fous. Mais vous me dites, on se croise quelque part, on se raconte quelque part. Mais regardez, tout le monde se fout de nous.
Les gens sont là pour soutenir. Vous soutenez quoi? Guylaine Chapuis, tu n'as rien fait de mal. Tu es une Camerounaise. Tu es une Bamoun. Tu as seulement salué la première dame. Et c'est là que ça a commencé. C'est tout. Parce que si je n'étais pas la photo là aussi à Facebook, ce qu'on n'est pas là aujourd'hui, hey, à cause d'une seule photo, hein? Comment tu peux inviter les femmes qui passent leur vie, leur temps, hein, à inciter les réseaux sociaux? Toi-même, tu ne sais pas quoi malin les photos. À cause d'une photo, par exemple, Guylaine Chapuis, c'est une Camerounaise qui a été invitée dans leur cercle, ça. Donc, Guylaine Chapuis ne doit pas aller saluer la première dame. C'est à cause de ça qu'on a aujourd'hui. C'est à cause de ça que tu mets tout maman. Et tu dis, Eddie. Les réseaux sociaux, les gens se moquent de nous. Elle est contente, chaque soir. Moi, voici, ici, dans mon vieux canapé, tu parles de quoi? Je connais tout ce monde-là, Marlène. Mais parce que moi, j'aurais aimé être à ta place, parce que si moi, j'étais à ta place, je suis pas dans mon canapé ici aujourd'hui. Tout ça là, à cause d'une seule photo, que ma Chapuis a seulement salué la première dame. Le bout de moi déjà aujourd'hui. On dirait la risée des réseaux sociaux. C'est tout le monde qui sort. Ça chante, les coqs chantent partout. Même les serpents sifflent. Tout le monde siffle maintenant. À cause de toi. Et les bouts de sang là, ou notre qui sont dans la voiture là, ou les métis, ou les blancs, ou c'est quoi qui chante. Hey, mon fils était où? Moi j'étais ici chanter. Bia, bia. Et DPC du Cameroun. Moi-même, on m'a choisi pour aller là. On m'a chassé dans mon propre pays. Il est quoi, presto? Vite fait, bien fait. Allez! Maman, la honte allait me tuer. Ma famille. Mon moral. Et toi? Que toi-même, tu es quitté ici, abandonné, monsieur Joly. Tu es parti, entrer encore au gouvernement. Eh, Malin. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. Et il y a tout le monde. Malin, moi, je t'emmerde. Jamais de ta mère, jamais de tes enfants, jamais de tout dans ta famille. J'en ai rien à foutre. Incite-moi si tu veux. Mais tu es une pourriture. Et les gens, tous les gens, les poules qui te soutiennent là, hein. Et ce sont les gens comme toi, qui ont tout eu dans le gouvernement. Aujourd'hui, ils veulent d'accueil pas. Attendez 2025, ouais, le père là. J'espère que papa ne va pas clamser avant. Parce que si tu clamses avant, hein, ce n'est pas bon. De toute façon, vous savez que nous, il y a quand même la main, hein. Il y a la main de ce qui est là, hein. Il y a la main la plus efficace, Israël qui est là. Il y a les billes. Vous croyez que pour bien longue vie. Tu es un président très sympa, très généreux. Parce que si c'est moi qui étais ta femme, ce que tu ne pas, ça ne se passera pas comme ça. Bon, content. Vite fait, bien fait, tout le monde est content. Pour bien n'a jamais tué personne. Un président très gentil. Et tu dis, il aime beaucoup les femmes, il aime les belles femmes. Comme là, je suis sûr que, hein, peut-être que Marlène Mboutou voulait que, ou bien, je suis parce que l'année, ça fait Marlène Mboutou. Oui. Parce que je suis sûr qu'à l'époque, si c'était maintenant que pour était jeune là, peut-être que moi, j'allais même un peu gratter là-bas. Abima, j'ai Marlène. Vraiment. On doit ta main, Marlène. Au centre. Hey! Je veux créer un parti. Parce que je ne vois pas. Devant le RDPC, qui est qui devant le RDPC? Il faut nous dire la vérité. Qui est devant le RDPC? Moi, je ne vois personne. Parce que moi, je ne suis pas mon autre parti parce que je suis moi, je suis RDPC. Oui? Donc, si je vais rien, me donne rien. Mais je suis moi, je suis chez moi le pouvoir. Enfin, j'ai d'abord le choix. Vous connaissez la situation. Je peux faire, mais vous connaissez, j'ai le choix. Marlène. Tu arrives, tu vois que là où tu es caché là dans ton vieux canapé là, tu vois que tu dis qu'il ne sait pas où te local. J'ai dit que si c'est moi, on va t'écrire Sophie, Sophie. Qu'il est mis Sophie, on va t'écrire doucement, doucement. Comme en Russie. Avec les plantes, tac. On te voit aller au marché, tu commences, on t'a mis le poison au corps, tu commences à gratter comme ça. Tac. Où y a qui? Vite fait, bien fait. Les gens comme toi, hein. Tu as des enfants, non? Moi, mes enfants sont métis, ils sont ici. Chaque personne fait sa vie. Moi, je fais ma vie ici, on gagne. Donc, moi, je voulais seulement te dire que je te soutiens. Je n'ai pas aimé ce que tu dis. Parce que ça profite à qui? À qui profite ton crime? Ma laisse la force tranquille dans le canapé, le dieu canapé, dans un HLM. Une personne qui a tout eu, qui a côtoyé le président de la Guinée, Ombiangema, avec lui, qui a côtoyé et tout ça. Force tranquille de quoi? Parce que ça vous arrange, vous.
Hein, Zizi Lionel, ça vous arrange? Mais vous savez alors quel candidat pour nous présenter? Hein? Montrez-nous votre candidat. On ne sait jamais, peut-être qu'il vous donne peut-être. Il faut quand même nous dire des choses que nous on va entendre. Nous, on sort à les voter, on va aller voter votre candidat. Mais il n'y a aucun candidat. Il n'y a que le RDPC. Pour dire à part, il y a toujours le RDPC qui va toujours prendre le pouvoir. Que ça soit on a Oussa, ou en Boulou, ou en Yaoundé, ou n'importe qui. C'est comme ça. Vous avez qui? Vous avez tué votre propre candidat vous-même. Kamto. Vous savez au début, hein, que. Moi, j'étais à l'homme de Kamto, hein. J'ai aimé ces idées, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a changé. Oh, il y a fait ceci, les tribalistes sont arrivés. Qui a mis les tribalistes dans les réseaux sociaux? C'est les barbiques qui a mis les tribalistes dans les réseaux sociaux. Je le dis, quoi. Ce n'est pas nous, c'est vous. C'est là qu'on commence à comprendre certaines choses. Tu entends? Mais vous n'aimez plus ça parce qu'elle vous sert, elle vous fait soi-disant les choses qu'elle connaît du gouvernement, elle ne connaît rien. Ou c'est 7 enfants ou 5 enfants avec les riches. Ils ont qu'un. J'ai oublié de venir faire une poubelle ici là. Ici. Pour se marier avec un juif. Mon Dieu. Mais les papiers, c'est quoi ça? Tu viens mettre 10 ans là. Tu viens mettre nos femmes 10 ans. Toi, tu fais mener. Pourquoi tu n'es pas française avec ton truc? Moi, j'ai mes raisons. Hein? Oh, vraiment. Mais Walus. On va voir à quoi vous voir. J'ai rendez-vous. Imbécile. Quoi? Je vais tirer votre colis. Ah, je vais le tirer. Ah. Écoute. Je vais voir ça. Je vais appeler Alice Levanche. Maman. Ah. Pour moi, j'ai quand même eu deux dents. Hein. Ils sont tous morts. Je suis mes quoi. Ça ne fait rien. Mais au moins, moi, quelqu'un m'a quand même amené ici. Et elle m'a l'air vraiment. Et puis les boulots là, vraiment, vous êtes vraiment les chiens. Je sais, moi, je vous respecte. Mais tous les boulots. Il y a quoi, il n'y a rien. Oh, le gouvernement, c'est Madame Chantal qui gouverne les gens au Cameroun. Donc, Malène Mvoutu, Aouta Minga, c'est elle qui a raison. Vous allez insulter les gens, c'est les prostituées. Quand une femme insulte notre prostituée, maman, nous les sommes d'accord, nous les sommes d'accord. Quand les autres, les à côté là, viennent maintenant se faire voir. T'as la prostituée, t'as machin, regardez vous-même. Vous avez appelé en Suisse avec les diplômes. Vous avez tous vos diplômes dans les papiers, vos plans là dans les papiers surprises. Non! Parce que vous êtes allé marcher dans les bars, vous avez toujours vos maris, dans la rue. On se connaît tous. Elles font comme si elles trouvaient leur mari dans les papiers surprises. Quand on dit, on se laisse, le cadeau arrive, comme c'est ton mari. Maman! Hé, hey, moi, j'ai les immeubles. Allez vos immeubles. On connaît les qui font ceci à Facebook. De toute façon. Et les autres disent, oui, excusez-moi aussi, avant de partir. J'attends que. Il y a les valeureuses femmes. On s'en fout des valeureuses femmes. Nous tous sommes des valeureuses femmes. Hein? Les diplômés, quoi? Pour les mais restez là-bas avec vos diplômes, avec vos maris. Ils vous tabassent, ils vous repassent tous les jours là-bas dans vos maisons. Vos gigolos maris là qui s'en foutent, qui font les qui pondent les enfants partout. Que les femmes valeureuses qui peuvent suivre le canon mouf. Mais c'est quand même les prostituées qui gouvernent. Hein? Attention. Qui gouvernent tout. Hein? Parce que nous, on sait tout faire. On s'est dansé, on s'est ri. Vous savez pas ça? Bande de jaloux. Les vieilles femmes frustrées. Bah, quand il y a un problème ici à Facebook que j'entends souvent dire. Hein, alors qu'ici, il y a les femmes valeureuses qui sont docteurs. On s'en fout de vos docteurs. On s'en fout de tout. Il y a les femmes valeureuses ici qui sont ceci. Mais est-ce que sont les réseaux sociaux? Les femmes valeureuses sont chez eux. Donc vous trouvez que nous on est valorisants parce qu'on est les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous trouvez, non? Voilà ma chanquée Lilleur. Elle va lui aussi. Venez nous trouver, vous allez Lilleur, vous tous là. Regardez-moi les affamés sexuels comme ça. Hmm? Les affamés sexuels comme vous. Il fallait les voir quand il y avait la place ici. Il fallait voir les femmes. Maman, tout le monde se déshabillait pour monter ces nichons. Il y en a une certaine qui sont mortes. Hmm? Hein? Il y a les docteurs ici. Il y a les avocats. On s'en fout des docteurs ou des avocats. On est la même famille. Moi, je me bats pour mes enfants, pour ma famille et tout. Et je veux penser à vous. Parce que vous aimez. Vous savez, les gens ne pensent pas les choses. Parce qu'ils aiment, ils n'acceptent pas. Ils sont intellectuels, ils ont les beaux postes. Et puis nous, on va se parvenir dans les réseaux sociaux. Ce que c'est ça. Meta est fait pour tout le monde. La personne qui peut bien s'associer à Meta parle, ça parle. On est là, vous attend. La suprême. La femme d'un président d'un pays, hein, tienne, bouffe les dangers. Vous croyez que vous, les petits docteurs, les petits machins là, vous allez, tout le monde va bouffer ici. Hein? Vous n'avez pas ça?
Luneza. Hein? Hein? Donc, il faut maintenant, il faut valoriser. Mais attends, nous sommes dans une plateforme qu'on appelle les réseaux sociaux. Attends, si ces frères qui sont docteurs avec tous les. Eh, hey, mais ça. Si ne veut pas venir les réseaux sociaux, on doit aller chercher pour les valoriser. Je ne valorise personne. Je valorise moi-même. Oui. Quels sont qui sont de ma famille? Hey, les grandes femmes qui ont. Maman. Si je ne cherchais pas ma part, je serais en France aujourd'hui, dans mon bunga aussi. Mbap. Donc il faut valoriser ceux qui ont été à l'école. Hein. Mais ceux qui étaient à l'école, restez là-bas dans vos études de l'école. Laissez faire Facebook, c'est tous les bagandos comme nous. Mais vous allez nous regarder. Regardez ma maman. Je ne me veux. Les mariages que vous imposez, que vous imposez les fils de Tandon, les fils de Tanko, vous arrivez maintenant, ne vous aime pas. Mais on vient dormir chez la veuve joyeuse. Bande de si, vous savez. Vraiment. Hein. Mais attends. Mais restez là-bas. Il faut vous valoriser par rapport à quoi? On a la même famille. On doit vous valoriser. Les femmes qui vont à l'école là, on va vous valoriser par rapport à quoi? Mais vous étiez à l'école, vous êtes ma cousine. Vous êtes qui? Mais vous avez été à l'école, vous êtes intelligente, mais allez dans votre intelligence. Hein? Les teams camerounais doivent changer, ça ne change pas. C'est pas resté comme ça. Marche à vous êtes son jambi. Vous, les petits marchands là, tout le monde va passer ici à Facebook. Est-ce que c'est ça? Si marche à vous êtes jambi, c'est pourquoi vous êtes jambi. Hein? Il faut les voir, hein? On est là, il y a des femmes qu'il faut valoriser. Valoriser qui on s'en fout de vous. Je bats mon cul, je bats mon. C'est ok. Il faut vous valoriser. Minimum ça. T'es gentil. Mais allez faire vos doctorats là-bas. Allez faire vos sais pas quoi là-bas. On veut pas quelque chose. Vous pensez que fait une directe ici depuis là. J'ai un étoile là. Rien. Mais je bavarde. Que mon argent va sortir d'ailleurs. D'accord? On doit valoriser les valeureuses femmes. Allez faire vos choses des valeureuses femmes là-bas. Hors de Facebook. C'est méta. Nous, on est ici. C'est la suprême des suprêmes, Madame Chantal Biya. Vous êtes Djangui. Vous là. Vous, les gens qu'on a placés là, comme le fils de ma chaîne, vous avez épousé la fille de telle, ma chaîne, on connaît comment ça fonctionne. Vous allez parler aussi, vous là. Hein? Le gars me dit qui parlait là, dans la voiture. Hein? Il a fini de racheter la forêt. Hein? La forêt du Cameroun. Notre forêt du sud là-bas. Là, il a fini, c'est devenu, on est devenu comme l'Amazonie. Ce n'est pas vous. Toi aussi, tu viens parler. Vraiment. Mais là, c'est quoi? On ne peut pas les intellectuels à Facebook. Allez faire les intellectuels ailleurs. Vous ne pouvez éduquer personne à Facebook. Ici, ça sort comme ça sort. Si la première dame a bouffé son Djangui, maman, écoute. La suprême des suprêmes a bouffé son Djangui. Imaginez-vous. Et regardez-les. Hein? Il y a les valeureuses femmes qu'on peut mettre sur Facebook pour valoriser. Que quoi? Je suis aussi une valeureuse femme. On ne se peut pas valoriser. Oui. Moi aussi, j'ai fait dans ma vie. Regardez-les. C'est la fête que on va vous valoriser. Hein? Wow. Elle attendait longtemps. Il ne faut pas bouffer un Djangui. Ma chaque fois, bouffe son Djangui depuis étudiant. Ce n'est pas n'importe où, c'est un château. Hein? C'est pas n'importe quoi. Elle bouffe quand même un Djangui là-bas, c'est la première dame. Hein? Donc, vous, les petits gens là, c'est vous qu'on va valoriser. Allez là-bas avec vos études, avec vos choses là dans vous. Hey! Machin, il va faire comment? Il a défendu comme j'ai pu, ma. Mais suis-moi avec toi. Tiens fort. Sois fort, machin. La voix joyeuse est là. Même quand tu m'avais rapatrié, ce n'est pas grave, machin. Mais je suis avec toi. Tu ne vois pas? Donc, une première dame bouffe les Djangui et les petits gens, il faut valoriser les gens. Allez travailler. Mais c'est vous qui nourrissez les gens. Chaque temps, allez travailler. Travailler quoi? Si on ne veut pas travailler, c'est obligé de travailler. Donc, on est ici à l'Europe pour vous. Tous les gens qui parlent ici à Facebook, oui, elle est travaillée. C'est votre problème là-bas, je vends mon zoop, c'est mon zoop. Je vends, je veux travailler si je veux. C'est quoi votre problème? C'est vous qui payez les loyers aux gens ici. C'est vous que, les gens que vous insultez là, c'est eux qui consultent au pays. Hein? C'est quoi votre problème? Les valeurs de femmes. Ah, tiens, non. Machin, je suis moi avec toi. Allez vous former. Hey! Comment tu t'es formé où? Avant, tu veux surtout les petits gens qui sont arrivés ici dans les caches là, qui ont voyagé dans la Pindouza, qui ont nagé les, tout ça dans les Zodiac et tout, qu'elles arrivent là, les mettent dans les petits centres de machin, les tout, là où les blancs là viennent les épouser dans les centres de je sais pas quoi, centres de réfugiés et tout, qui osent ouvrir la gueule dans les réseaux sociaux. Oui, tu dois travailler parce que c'est comme ça. Tu n'es pas un bagando. Moi, je vais travailler quoi? Je ne travaille pas. Ne me donnez pas l'argent.
Je bois mon chardonnay. Ouais. Je veux voir quand moi je vais rentrer à Saint-Molima. Si c'est vous qui allez venir me nourrir là-bas. Ou quand je vais mourir dans mon canapé, si c'est vous qui serez là. Bande de scie, ça veut dire aller. Mais allez faire votre vie. On n'est pas obligé d'être. Vous n'êtes pas des exemples. Moi je suis un exemple. Mais quoi? Vous voulez vendre des piments, appelez-moi, je vais amener là les gens de piment. Vous allez vendre vos culs. Point. C'est quoi? Nous sommes dans la même famille. Elles sont là, elles ne travaillent pas. Même si on ne travaille pas, ça fait quoi? C'est juste dans votre famille. Elles vont nous respecter. Il faut respecter les. Il faut nous respecter. Elles ne font rien de leur vie, elles sont là. Si c'est toi qui paye mon loyer. Mais moi, moi, je mange. Moi, que tu pars travailler ou pas, j'en ai rien à foutre. Moi, je mange quand je veux. J'ai mes sols ici. J'ai mes arbres, j'ai tout ici. Je suis avec vous. Toujours en train vous former. Vous former quoi? Venez, je vais vous former dans la fornication. Je vais vous former dans la puterie. Vous prenez pour qui? Hmm? Après tout, la prostitution, c'est le dernier métier du monde, non? Hmm? Même Jésus m'était avec Marie Magdalene. Il faut comprendre l'histoire. Vous êtes là parce que vous avez fait les petites formations. Elles sont là. Mais elles sont obligées. Sans qu'ils payent les loyers de ces gens-là qui ne travaillent pas. Ils s'en sortent autrement. Voilà alors la diplômée de l'État. Qu'on appelle Marlène Ngoutou. Elle est quoi avec ses diplômes aujourd'hui? Avec son gros français. Mon Dieu. Ouh. Elle est quoi aujourd'hui? Les diplômés de Cameroun. Les diplômes faits là. T'es qu'on paye là-bas à la poste là. Poste centrale. Tous les papiers que tu montres sont là, vite fait, bien fait. Tout le monde est content. Là, la poste. Vous avez oublié ça. Donc, les gens qui disent, allez vous former là-bas. C'est obligé, on est venu en France en même temps. Quand je travaillais ici, maman, j'ai eu la tendinite ici, là. Maman, ici. J'ai arrivé pour vous souvenir l'histoire. J'ai dit que je ne travaille plus. Parce que je travaille, c'est la plus gentille, ce qui fait tout, ce qui fait tout. J'ai dit, hein. Je vous montre sur mes fils de paye. Allez vous former. Tu vois ce qu'il dit qu'elle est formée, elle est couchée toute la journée, elle est couchée dans le canapé. Vous savez qu'elles sont couchées au canapé comme la voix joyeuse. Mais moi j'ai fait mes affaires. Elles sont couchées là dans le canapé. Elle dit, oui, allez vous former. Mais quand vous appelez, il faut voir, je veux voir vos visages. Les rats avec les visages pleins de boutons noirs. Avec le jim jim fesse, avec le gros ventre, je te dis frélaté. Vous parlez, allez vous former. Ici en Allemagne, il y a ça. Bande ici, vous savez. C'est obligé. C'est obligé. Chacun fait sa vie comme il veut. Voilà la formation de Marlène Boutalon. 7 ou c'est 5 enfants, c'est un père différent. Tous les riches. Ou c'est 6 enfants. Tous les riches. Ah bah oui, hein. Oui, mais avec les Colena. Parce qu'elle adopte, elle adopte. Dit que les gros mots. Tu vas attraper un Sénégalais, tu vas t'amener au Sénégal bientôt. Parce qu'ils aiment bien la politique, les femmes qui sont intelligentes. Bientôt. Quelqu'un vit chez elle, matin, midi et soir, elle paie son loyer, elle mange, elle s'habille bien, elle se maquille, elle est bien. Chaque jour, ce qu'elle est pour former, former quoi? Quelle formation? Et vous devez se former depuis, elle est formée où? Sa vie est où? Et vous foutez la gueule déjà, on est en Europe ici, hein? En Europe, on est en liberté, si on fait ce qu'on veut. On n'est pas obligé d'être comme vous. Vous êtes des esclaves. Pas lui? Vous êtes des esclaves? On vous paie combien? C'est là que moi, je vais à Meta. Allez vous renseigner, hein? Je travaille, moi je travaille, je suis dans mon domaine de travail là. Les gens qui me regardent ici, ouh. Mais c'est mon argent. Vous savez pas quand vous commentez là, c'est vous me payez. Quand vous regardez, vous me payez. Là, c'est une page monétisée. Tout ce que vous faites là, vous me payez. Ah bah oui, vous savez pas. Alors, Marlène, vous finis Marlène. Marlène, monétise ta page, hein. Quoi, parce que comme ça, les frélatés, bah, les frères qui t'adorent tellement, ils vont t'envoyer les étoiles. Hein? Il faut t'envoyer des étoiles et tout. Ça, vous savez, c'est tout. Mais oui, regarde. Moi, je suis dans mon lieu de travail, là. Hein? Je suis dans mon lieu de travail parce que moi, je gagne l'argent tous les mois. C'est les factures qui arrivent, je paye l'argent tous les mois. Là, moi, les gens comme ça, les Mbappé. Elles ne font quoi à Facebook? Elles sont là, elles ne travaillent pas. Allez vous former chez Marlène. Elle va vous amener dans sa société qu'elle a créée ici. On connaît là où les, ici, à Château Rouge. Tu parles seulement pays. Quand je veux seulement être la fille du président pour bien. J'ai vu aussi une histoire là qui s'est passée. Il y a un Camerounais qui dit que Mako c'est son père. En tout cas, vous savez que moi je suis Camerounais, moi je. Vraiment.
J'ai appris que. Vraiment. Le Facebook, c'est. Hein. Donc, c'est maintenant que tu reconnais ton père. Que c'est ton père. Hein. Ma cause a accepté. Aïe. Ma cause a accepté l'enfant là. Aïe. Le Facebook, c'est. Hein. Oh. Ma chambou son Jean-Guy Pierre. Bienvenue au club. On a applaudi pour qui? On a applaudi pour ma chambou. Ma chambou son Jean-Guy propre. Bienvenue chez les Stambla Kata. Oui, ma chanson est Stambla Kata maintenant. Hein, parce que. Ma chambou le Jangui. Et les tchotcholes comme vous. Allez, vous former. Former de quoi? Moi, je vais vous former la position. Bande de chiennes. C'était un game, hein? Allez, vous former. Laisse ça. Ma chan. Je suis avec toi. Ça va me jouer. Même quand tu vas chasser dans notre pays, là, ce n'est pas grave. Si tu bouffes le Jangui, ma chan bouffe le Jangui, la suprême des suprêmes. La femme maman. Hey! Bah, attends. Vous vous abusez de. Je pense qu'on parle de ma Chantal Diaz. Maman, là, quelqu'un vous faites janguer dans les réseaux sociaux. Et on va parler des petits sous-baptêmes là. Hé, hey, je suis avocat. Hey! On ne me paye pas, hein. Allez vous former, Massa. Vous formez où? Vous allez vous former là, je vous amène là-bas les toiles. On va chez les clients. Des fonds de formation. Il te fait venir à prendre un riche bien qui te fait bien faire. Et le lendemain, tu es marié. Et après, maintenant, tu as les papiers et tu es devenu riche avec une grosse voiture. C'est tout. C'est la formation qu'il faut. Vous pensez que Papa Bia ne savait pas qui était machin. Il y a les CD secrets au Cameroun qui savaient qui était. Oui. Hein? Mon père avait appelé. Vous dites que non, que Papa Bia ne doit pas épouser. Machin. Donc, c'est toi qu'on devait épouser. Papa Bia, tu aimais les couleurs métisses. Son fils est Gatero. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la raconter ici. C'est quoi? Papa Bia, tu es une femme qui est joyeuse, comme la vôtre joyeuse. Elle boit le champagne dans son palais. Et lui, avec son petit rire et tout ça. Bah, attends, c'est une femme joyeuse. Donc, Papa Bia, lui, mais j'ai vieux. Elle va faire quoi? Donc, elle va rester là. Même si elle si, ne donne pas, elle va faire comment? Il y a des petits gars là-bas au palais. Vous faites bien, tout le monde est content. Donc, elle va une jeune femme comme ça là. Yo. Mais j'ai en fait ta vie, moi je suis avec toi. Mm-hmm. Fais ta vie. Et reste au palais, mais c'est toi qui commande là-bas, commande-toi. C'est normal. Tu dois te commander. C'est ton mari. Ouah. Mari ne voudrait pas mourir dans son vieux canapé. Pardon, je vous laisse passer. Ah ben, je m'attends que. Voilà la vie en Europe. Eh ben, c'est l'Europe, non? Nous, moi, on est en Europe. Hein? Nous sommes en Europe, ça fait quoi? Une belle vie. Avec mon petit pauvre chardonnay. Faites votre vie, je fais la mienne. Après, je mets les enquêtes impossibles. Je le regarde. Après, je me mets faire mes choses à Courbevoie. Bah, allez vous former. Vous, les gens qui disent qu'elles vous former, elles sont couchées sur les canapés. Hein? Elles veulent aussi entrer dans les pages des gens pour commenter ou bien pour appeler. Quand vous appelez dans les trucs des gens là, quand vous appelez, mais si maintenant il faut vraiment voir là où vous êtes. Vous êtes au travail. Hein? Est-ce que c'est tout le monde qui a boire dans les pages des gens? Mais montez où vous êtes. Les vieilles chouettes, les vieilles jalouses. Allez couper vos ventres comme la vôtre, vous allez être sexy. Je vais faire une dernière vidéo à bientôt pour pas bien. Dans notre Saint-Barthélemy. Ma chance va encore voir qu'est-ce que. Aïe! Ma chance, c'est ma co-épouse. Ce n'est pas bien, c'est mon chou, non? Bah, Malène, arrête un peu, hein. Si tu veux, moi, déjà parlé, hein. Si tu veux, je continue. Mais, si je continue là, il faut aller au bout avec les bambiniques là, hein. Faut la tête qui n'aime pas les boules là. Parce que si tu t'arrêtes au milieu, on va tout bien, hein. Continue à parler et tu sors les noms. Et autrement, sortir les noms. Moi, je m'en fous. Tu me laves où tu veux. Qu'est-ce que ça peut me faire? Mais quand je vois ta paille, je vois ma paille, mieux voir comment j'ai la tour Eiffel. Mon héritage, c'est ma tour Eiffel. Parce que là où tu vis là-dedans, les maisons là, c'est comme les maisons des conteneurs. Et là où tu vis dans le petit village, là on a filmé la franchement. En tout cas, bonne journée, mes Waros. J'espère que Marlène est en direct. Qu'elle soit en direct, ça c'est son problème là-bas. Qu'elle est sur son problème. Qu'elle continue, moi je lui ai dit. Et à trop parler. Merci pour les gens qui m'ont écouté. Merci pour les détecteurs. Merci pour tout le monde. Je vous embrasse. Je vous reviens tout à l'heure. Merci.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.